Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On est toujours dans le parc de Celerion. Il faut avouer que la zone est super grande et on venait enfin de trouver la dernière quête. C'est parti! Et donc, on est ici. Donc, en fait, l'astuce, hein, c'était de rester au niveau de notre cher ami Onsola et d'avoir 6 bulles de. Planeur, on en a bien plus que 6, hein, donc on va pas se poser la question. Voilà. Alors déjà, on débloque ce qu'il faut pour revenir au cas où on tombe. Ensuite, on récupère tous les tinis et on va parler. Oh, monsieur. Capitaine, la navigation dans le système Galaxion nécessite la destruction d'astéroïdes indésirables. Une flotte pourrait se charger de cette tâche, mais le niveau de danger pour celle-ci serait inacceptable. Considérant que le potentiel de perte d'un seul individu serait préférable, il a été décidé que la tâche vous serait confiée. Veuillez remettre votre rapport après exécution de la mission. Ok, donc on va devoir... Péter les astéroïdes. Ok. Et bien évidemment, on nous laisse du truc sympathique pour les péter. Donc, non mais je veux un tini. Je peux avoir un tini rouge là? Je. Ah, je suis trop bas là. Descendu. Ah, je suis descendu un chaud et je suis trop bas. Je vais me laisser tomber, tuer. Ça devrait me remettre à un endroit à peu près décent, c'est-à-dire ici. Ça m'apprendra à faire des sauts qui vont pas. Ah, j'ai les doigts qui glissent, c'est horrible, j'ai les doigts qui glissent. Voilà. On va préférer crever. Voilà. Celle-ci est déjà moins dangereuse, hein. On notera. Ensuite, je vais prendre un petit peu de hauteur, même si je pense que c'est pas nécessaire. D'ailleurs, il n'y avait pas d'astéroïde à tuer, du coup. Oh, punaise, je l'ai loupé. Oh. J'ai l'impression de le faire exprès. Je suis absolument désolée. Non, c'est ça, hein. Tous les astéroïdes sont bien trop loin. Voilà. Ça, c'est cassé. Ça, c'est pas cassé. On va pouvoir y aller. Ça, je le casserai à la fin. Ok, donc je ne peux pas utiliser les tiny verres. On peut... Il n'y a rien à faire avec ça là-bas. Non, il n'y a rien. On va tuer cet astéroïde là. Et on va tuer le gros. Ok, il y a du pollen au milieu. J'ai bien évidemment pas tout eu, hein, ce serait trop fastoche. Voilà. La suite est probablement au niveau de ces tam-tams. Qu'est-ce que je déteste ça? Je vais pouvoir aller. Ah, je pouvais peut-être avoir celui-là en étant sur ce tam-tam-là.
tout à fait, je pouvais. On va aller sur la navette. Je vais reprendre un petit peu de hauteur. On a récupéré des tini. Je crois qu'on n'est pas bon au niveau des tini. On est bon au niveau des tini. On a tous les tini. Est-ce que je peux... Je peux pas d'ici. Je l'atteins comment celui-là? Je suis clairement trop loin. Et je vois plus de... De choses proches. Je peux faire ça en vol? Je peux faire ça en vol et me casser la figure. Voilà! Confirmation de la destruction des astéroïdes indésirables! Le commandement de la flotte m'a chargé de vous remettre cette prime spéciale. Longue vie et prospérité. Parfait, on a la bague. On va pouvoir remettre ici. Par contre, on n'a pas tous les pollens. J'aurais pu faire la même chose, je les ai attachés. Tiens, ta part. Sa maison. Ok. Qu'est-ce qu'on fait des gemmes? Contrebande. À Pandémonis, la capitale. Tu pourrais rien en faire, il faut des connexions. Ok. Du coup, il nous manque 53 pollens. On a pas également pas fini la quête. Je me demande si on a fait toutes les enveloppes, je sais plus. Parce qu'ici on va nous donner un artefact, on va pas nous donner... Donc c'est parti. On va mettre feu aux 3. Et de 1. Et de 2. Dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Et 2, 3. Eh oh, mais t'étais pas censé réussir. C'est pas fait pour... Bon, tiens, prends ce truc. Si, si, ça a de la valeur, je te jure. Parfait. On a droit à un petit artefact pour le musée. Le foyer miniature. Par contre, du coup, il nous manque du pollen. Je vais aller vérifier. Est-ce qu'on a été posté toutes les lettres? La réponse est on n'a pas de lettres. Et j'ai l'impression que c'est plein. Donc niveau lettres, on a l'air d'être bon. Ce qui veut dire que visiblement, j'ai loupé quelque chose ailleurs. On va déposer la coupe parce que c'est fait pour ça. Et on va regarder la course du coup. J'ai le plaisir de vous annoncer que la course du siècle peut enfin commencer! Deux légendes vont aujourd'hui s'affronter sur les pistes de Célérion pour votre plus grand plaisir! Un tonnerre d'applaudissements pour Alanza, l'éclair bleu!
Et levez-vous pour son adversaire, l'invaincu Choubilet Furie Rouge! Ils ont des têtes de Playmobil, quoi. Rendez-vous sur la ligne de départ pour en découdre! Enfin, de Lego, plus précisément. À vos marques! Prêt? Parti! C'est bien amusé ce que je vois, mais non, ne me remerciez pas, c'était un plaisir. Oh, vous alliez oublier votre vidule. Ah ah, quelle tête en l'air. Le parc vous sera toujours ouvert, à condition d'y mettre le prix. Bon, on a quand même un souci. Il nous manque 53 pollens. 53, c'est pas neutre. Ça veut dire que probablement, j'ai oublié une lumière à allumer ou un truc du genre et une grosse bubule. On va du coup regarder un peu partout. On va prendre de la hauteur peut-être. Ça pourrait être la meilleure des idées à avoir dans ces cas-là. Même si ça va pas forcément dire que je vais pouvoir le voir. Hein. Si j'ai oublié quelque chose caché. Si c'est caché, c'est caché. Et si c'est en plus un truc caché qu'on n'aurait pas fait, c'est encore plus caché. Par là, j'ai tout fait. Je vois vraiment rien d'évident. On va aller jeter un coup d'œil par là. Non, ça a l'air bon. Là, c'est allumé. Là, j'avais dit que j'avais oublié des trucs, mais on y est retourné. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Ici on est bon, ici on est bon. Il n'y a rien d'autre en hauteur. À part se prendre ce mur et aller par là. Ici on a tout explosé. On peut monter par là, mais je crois qu'on l'a fait également. C'est ça. Hop. Ici on a tout fait. Et ici c'était juste un cul-de-sac. Donc ce placard ça a l'air d'être bon. On va pouvoir passer à la suite. Pour ça je vais prendre de la hauteur tout simplement. Ça m'a l'air quand même correct. Ici, on a ramené tous les animaux. Là, comme ça, je vois rien. Il n'y avait rien d'autre ici.
Rien à droite, rien à gauche. Rien ici. Il y a un truc qui brille fort rouge par là, mais j'ai pas l'impression que ça soit du pollen, hein, c'est juste une grosse lumière rouge. Donc tout va bien. Ici tout va bien également. Ici on a l'air d'être pas mal. Ça c'est une cachette, on n'est pas allé ici. Voilà. Donc, c'était bien ça. Il nous manquait une lumière quelque part. Et du coup maintenant faut qu'on trouve où est-ce qu'était ce truc qui s'est allumé. Oh là là. C'est pas ici. C'est pas là. On va prendre de la hauteur. Où est-ce qu'elle est, notre grosse bubule qu'on vient de débloquer? Faut que je regarde où je vais. Là, c'est toujours plus simple quand on regarde où on va. Bon, je vais prendre un peu de hauteur par là. J'ai failli tomber. Ah, là-haut. Là-haut. Oui, je peux faire ça, tout comme je peux, tout simplement. Faire le tour par là. Hop, on monte. Et on descend. Ça y est, on a tous les pollens. On a tout réalisé. C'est parfait. On va pouvoir redescendre, récupérer le bidule. Et aller voir ce que ça donne dans la machine. Le sixième et dernier composant de la machine du Grand Arwin. C'est le plus beau jour de ma vie. Ce passage nous mènera directement à Chrysal. J'ai hâte de te montrer. La machine du Grand Arwin, enfin complète! On va aller voir ce que ça donne. Je n'ai plus les mots, Milodan. Merci. Nous avons ajouté le tout dernier composant à la machine du Grand Arwin. Elle est magnifique, Milodan. Nous pouvons être fiers. J'ai une dernière mission à te confier. Entre dans la machine et voyage à travers les étoiles. Après tout, mes assistants ont besoin de moi et de tous les habitants de la maison. J'ai un peu une dette envers eux aussi. Adieu, Milodan. Ça va me manquer de ne plus vous avoir, les Tinikin et toi. Peut-être que tu pourrais repasser nous voir.
Qu'est-ce qui s'est passé? La machine ne démarre pas. Mais ça n'a pas de sens. Tout est comme indiqué sur le plan. Haha. Eh ben, je vais vous laisser là. On fera l'épilogue lors du prochain épisode. Je vais aussi en profiter en off pour aller vérifier notre nombre de Tinikin un peu partout. Puisque du coup, on l'a vu avec la mise à jour, je suis pas allée dans les zones, donc mon nombre de Tinikin ne s'est pas mis à jour. Ce qui me permettra de voir si on en a oublié. Et on fera l'épisode, l'épilogue, lors de prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!